J'ai beaucoup de mal à rentrer en contact avec les autres. Comme je ne parle pas beaucoup, les gens pensent que je n'ai rien à dire ou que je suis bête. Mais ce n'est pas vrai. J'ai énormément de choses à dire. J'ai juste peur de les exprimer. Je sais que je suis différent des autres. Je crois que je vois le monde d'une autre façon. J'ai toujours été comme ça. T'as envie de jouer avec? Ah, t'as peur qu'il te mange, c'est ça? Pas du tout. Parce que c'est un jouet? Non, parce que les stégosaures ne sont pas carnivores. Nathan, qu'est-ce que tu aimes? J'imagine qu'il y a certaines choses que tu n'aimes pas. Comme par exemple, quand on change l'heure des repas, peut-être. C'est ça. Oui, il est difficile pour la nourriture. Nathan. Nathan. J'aime bien les motifs. Qu'est-ce que ça te fait de voir un beau motif? J'en rêve. Il y a des jolies couleurs. Le test est positif, Nathan entre tout à fait dans le spectre. Il présente des troubles autistiques associés à de la synesthésie. Il est sensible aux changements de lumière et de motifs. Cela peut entraîner des dons, bien sûr, mais aussi et surtout d'énormes défis sociaux et affectifs que Nathan devra affronter tout au long de sa vie. Mais cela va sans dire, c'est un jeune homme unique. Dis au revoir à maman. Salut, maman. Bye. Au revoir. Bonne journée. Tu sais ce que je me dis? Parfois, il peut arriver que maman et moi, on ne te comprenne pas toujours. C'est comme si tu avais de super pouvoirs. Comme un sorcier. Et nous, nous sommes des moldus qui ne comprenons rien à la magie. C'est comme du chinois pour nous, tu sais. Mais tu vois, même si on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Tu comprends ce que je veux dire? Nathan, regarde-moi. Tu n'as pas de raison d'être effrayé. Sweetheart, what have you done to us?
bleed. Just come here, don't fight with me. And I admit, think you may have broken it. Will you hide me? Je t'en prie, non, reviens.